Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salonsdulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour, bienvenue au Salon du livre de Montréal. Mon nom est Christine Brouillet et j'ai le plaisir d'animer cet après-midi une table ronde sur le polar au féminin. Mes invités, Catherine Sylvestre, Catherine Côté et Maureen Martineau. Je vais aussi vous mentionner que vous pouvez poser des questions dans la section commentaires de Facebook et chat de YouTube. Alors, amusez-vous et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, on va y répondre à la fin. Je vais commencer tout de suite avec le thème de la rencontre, le polar au féminin. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a des tables rondes? Parce que ce n'est pas la première fois, certainement, que vous vous retrouvez sur des tables rondes. On vous parle de la spécificité féminine, mais je n'ai pas vu vraiment des tables rondes au masculin. Et je me dis, pourquoi on s'intéresse donc aux femmes, que ce soit des femmes qui font du roman policier? Parce que, en fait, la femme la plus connue, la personne la plus connue dans le monde entier au niveau du roman noir, c'est Agatha Christie. Ce n'est pas un homme qui a été le plus connu au départ. Donc, en tant que femme auteure, je sais que vous êtes ravie d'être sur cette table ronde avec moi, mais est-ce que quand vous avez vu la suggestion d'une table ronde au féminin, comment vous avez réagi? Bien, pour ma part, j'ai réagi en me demandant un coudon. Pourtant, on a plein de modèles d'écrivaines de polar, justement. Je pensais à Joséphine T. Donna Leon, Patricia Highsmith. C'est ça. Je veux dire, il y en a tellement, le polar au féminin, c'est très, très commun, mais en même temps, oui, j'étais bien contente d'être ici. Catherine? Oui, moi aussi, bien, j'étais bien contente. Je pense que c'est juste parce que c'est important de réaffirmer que les femmes sont dans le paysage du polar. Pour moi, je l'interprétais comme ça parce que, oui, on est là, on a toujours été là, puis on continue de l'être. Oh oui, absolument. Ben oui, c'est toujours étrange. Moi, je les collectionne. Ça en fait, j'ai pensé, je me suis dit, mais sur l'ensemble des tables rondes où j'ai été invitée, je pense qu'il y en a près du tiers que c'était sous l'angle de... du fait que j'étais une écrivaine ou que j'avais une enquêtrice dans ma série policière. On va quand même parler de vos enquêtrices parce qu'ils sont importants. Les femmes sont quand même importantes. On plaisante un peu, là, mais les femmes sont importantes dans vos romans. Dans le cas de Catherine Sylvestre, ce que je vais faire quand même, c'est pour les invités qui vous connaissent pas autant que moi, je vais vous présenter d'une façon plus précise. Alors, Catherine Côté, d'une incroyable polyvalence, Catherine a écrit de la poésie, des livres d'horreur pour les jeunes, des recueils de nouvelles, des ouvrages pratiques, et nous offre aujourd'hui son premier roman, Brébeuf, que j'ai beaucoup aimé. Et je vais résumer un peu pour qu'on puisse suivre après les questions qui vont être particulièrement sur les romans. Alors, l'automne 47, Léopold Gautier, vétéran de la guerre, revient à Montréal où il était autrefois détective à la Sûreté du Québec. Même s'il est heureux de retrouver sa femme Suzanne, le retour est douloureux et lorsque son ancien partenaire lui demande de l'aider à résoudre le meurtre d'un jeune élève de Brébeuf, il accepte, soutenu par Suzanne, qui est journaliste, elle, aux faits divers. Et ça, c'est passionnant parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là quand ça a commencé. Dans le cas de Catherine Sylvestre, elle est née dans l'univers littéraire en 2004, quand l'auteur a choisi ce pseudonyme et a découvert le plaisir d'écrire. Tout d'abord des nouvelles, puis un roman en 2015, La vieille fille et la mort, où on découvre son humour et ses personnages atypiques, dont un certain Coco que je trouve irrésistible et qui adore se percher sur l'épaule de l'héroïne qui est bibliothécaire, et je dirais aussi enquêtrice. Et Coco, il faut vraiment le garder. Il faut jamais le... Ça vit longtemps, de toute façon, un perroquet. Alors, il n'y a pas de chance qu'il disparaisse. Alors, le roman, c'est on s'articule autour de Catherine, à qui on demande d'aider une femme, Agnès, dont la grande amie Mireille est morte, semble-t-il, par accident dans une piscine à Lévis. Mais sa meilleure amie n'arrive pas à passer à travers le deuil. Et on va quand même... Catherine va se pencher, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Son amoureux va la rejoindre complètement pour autre chose parce qu'un enfant a disparu. Alors, on est vraiment dans des univers où il y a l'humour, mais aussi ça peut être très, très, très noir. Évidemment, je ne vous raconte pas la fin, mais il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de suspense. Jusqu'à la fin, on est...
scotché. Maureen Martineau, comédienne, metteur en scène, grande voyageuse. Elle a publié plusieurs romans policiers, dont L'enfant promis, prix Arthur Ellis, et nous épate à chaque nouvel opus par la précision de sa plume, sa fine analyse des enjeux sociaux et la grande crédibilité des personnages. Et cette année, elle nous arrive avec le formidable roman Zec l'accroche, que j'ai adoré. En Haute-Mauricie, Laurie, une jeune femme, est allée camper sur le site où sa mère a été assassinée un an auparavant, espérant découvrir la vérité sur cette mort tragique. Mais elle n'est pas la seule à avoir choisi ce coin de pays. Deux femmes en quête de vengeance et des hommes en quête de proie, sans oublier une ours affamée, convergent vers Zec l'accroche. Moi, quand j'ai lu ces romans-là, bien sûr, ce que je disais, il y a des personnages très forts à travers vos romans, des personnages féminins. Dans le cas de Maureen, c'est une histoire de vengeance en tout révélé. On peut dire qu'il y a deux femmes vraiment déterminées à venger la mort de leur fille et petite-fille. Est-ce que c'est ça qui est venu au tout début? Est-ce que c'est cette vengeance-là? Et est-ce qu'elle était aussi extrême? Parce que moi, j'ai trouvé ça formidable. On n'est pas dans la dentelle. On y va franchement dans la vengeance. Ben disons qu'il y avait deux points de départ pour ce roman-là. Il y avait la disparition et le meurtre, en fait, d'une de mes amies, Louise Chaput, à Sherbrooke, il y a quand même une trentaine d'années. Et c'était une femme qui est allée faire du trekking. Elle faisait ça souvent, elle partait seule la fin de semaine, elle allait faire du trekking aux États-Unis, au Mont Washington. Puis moi, ça m'avait fâchée, ça me fâche toujours, le danger que les femmes... rencontrent quand elles sont seules en forêt et cette peur-là qui nous habite, moi-même, là, j'adore le plein air, mais je suis souvent retenue par cette peur-là. Alors, je voulais visiter ça, c'était mon point de départ. Et l'autre, c'était quand j'ai vu l'émission Enquête sur les relations assez pourries entre les femmes autochtones et les policiers, la Val-d'Or, entre autres l'anecdote où ces femmes-là étaient ramassées sur la rue et laissées comme ça encore sur des chemins forestiers en plein bois, en Abitibi. Et en plein hiver. Alors là, je suis partie de ces deux situations-là qui mettaient en scène encore là des situations de femmes. Bon, et puis, j'ai voulu effectivement voir, en tout cas, autour du crime, du meurtre en forêt qui se passe chez une campeuse, voir comment pouvait s'orchestrer la vengeance. Mais c'est sûr que dans la vraie vie, on recourt au système de justice, mais on le voit aujourd'hui à quel point souvent la justice a de la misère à rendre justice. Il ne faut pas être pressé, en tout cas. Aux femmes, surtout aux agressions sexuelles, puis dans tous ces cas-là. Fait que j'imaginais donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire dans un cas où la justice est défaillante. Puis là, je me retiens de dire ce qui se passe parce que je ne veux pas vendre les poches. Non, non, non. Il y a toujours un problème quand on anime une table ronde sur le roman policier, c'est qu'on ne veut pas vendre les moments croustillants, intéressants, passionnants du livre, surtout pas la fin. Et donc, on fait hyper attention. Mm-hmm. Mais je vais me retenir et j'espère ne trahir aucun secret, mesdames. C'est ça. Mais je vais pas. Mais donc, tout ça a été orchestré. Puis après ça, tu t'es mis à écrire le roman avec ces deux idées de Oui, de, puis de à départ. Partir du territoire aussi, parce qu'il est intéressant chez Héliotrope, dans cette série-là, Héliotrope noir, on nous demande de s'ancrer dans un territoire. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai cherché ce territoire-là. Alors, j'ai essayé de trouver le territoire le plus sauvage duquel je pouvais m'approcher sans avoir trop peur. Alors, c'était une ZEC, parce que dans les zones d'exploitation contrôlées, on peut y accéder même si on n'est pas chasseur ou pêcheur. Et tu peux y aller faire un peu de villégiature là, en camping sauvage. Alors, cette ZEC-là, je l'aimais particulièrement. Et c'est aussi le territoire des animaux, dont une ours qui est aussi un personnage de ce roman-là. C'est son territoire. Et c'est aussi le territoire... C'est un territoire assez masculin aussi parce que dans une ZEC comme ça, les chasseurs ont leurs habitudes, ils ont leur territoire, ils ont leur zone de chasse, ils apportent leurs bêtes pendant l'été en vue de les chasser l'automne. Alors, je trouvais ça intéressant aussi. Le territoire aussi a été un point de départ assez et important. On le sent très bien, le territoire. Mm-hmm. Là, c'est pas un décor planté comme ça. Là, ça a vraiment...
l'importance sur les personnages, mm-hmm. sur ce qui peut arriver et pas arriver et tout ça. Donc, oui, je le répète, c'est un roman qui est formidable. Merci, Maureen. Mais je précise que j'ai tutoyé Maureen parce qu'on se connaît depuis longtemps, puis sinon, je vais m'enfarger, puis ça va être bizarroïde. Donc, je vais montrer mon éducation en vous voyant Catherine, que je viens de connaître. Donc, Catherine, comment c'est le rôle des femmes dans votre roman, Brébeuf? Il y a deux personnages masculins importants. Il y a Léopold, mais sa femme, Suzanne, est aussi importante. Parce qu'en plus, c'est une femme qui fait un métier et qui ça a débuté. Il faut dire que votre roman, bon, ça se passe en 1947, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le personnage d'Adèle aussi est une femme importante. Donc, ces personnages féminins-là, comment les avez-vous créés? Je voulais faire quelque chose d'historique, mais aussi donner une place d'importance aux personnages féminins, parce que mon projet, à la base, je voulais... en quelque sorte, rendre hommage à la tradition du polar et du roman noir. Fait que ça me prenait des détectives avec tout plein de vices et des problèmes d'alcoolisme et des personnages tourmentés. Il y en a un qui est correct là-dessus. Oui, il y en a un qui est assez correct là-dedans. Mais je voulais aussi, c'est ça, m'approprier ces thèmes-là, amener ça ailleurs. Puis c'est important pour moi de faire une place aux femmes. Le personnage d'Adèle, c'était facile parce que justement, dans mes recherches, ben, je me suis renseignée sur l'historique des femmes dans la police à Montréal. Et en 1947, mais c'est là qu'on a eu les premières femmes qui ont intégré les corps policiers de manière permanente. C'était du jamais vu. C'était des femmes absolument admirables qui étaient totalement détestées par tous les autres policiers avec lesquels ils travaillaient. C'était énormément difficile pour elles. Fait que je trouvais ça d'autant plus important d'en mettre en scène dans mon livre pour rendre cette réalité-là un petit peu plus connue. Puis le personnage de Suzanne, ben, c'est juste que la profession de journaliste, il y a depuis très longtemps, il y a des femmes qui sont journalistes. Il y en a beaucoup moins que des hommes. Puis les femmes sont souvent reléguées aux journaux pour femmes. Fait qu'à écrire, tu sais, les chroniques du cœur, puis les courriers des lecteurs et tout, c'est des trucs un petit peu plus mièvres. Puis moi, je voulais un petit peu faire du révisionnisme, puis transformer ça, puis donner au personnage de Suzanne un petit peu plus de force puis de caractère en lui attribuant un rôle qui aurait été normalement réservé à un homme. Ouais. Fait que, ouais. Mais ça lui permet aussi d'appuyer son mari. Oui, c'est ça. De comprendre les choses, puis de faire avancer... elle fait avancer l'enquête, de toute manière. Elle fait beaucoup avancer l'enquête, puis surtout, ça venait de l'idée que Suzanne, elle a été délaissée par son mari, qui était parti à la guerre pendant très longtemps, puis là, elle était toute seule, elle n'avait pas d'enfant, fait que qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Elle voulait s'occuper, elle s'est faite une carrière, fait qu'elle s'est occupée, elle s'est faite une place dans le milieu du crime, dans le milieu journalistique, puis ça, à mon avis, c'était comme c'était la trajectoire logique d'un personnage comme ça, de quelqu'un qui veut... faire sa place, de quelqu'un qui a des idées, qui veut se démarquer. Mais oui, elle veut contribuer à l'enquête, même si elle est une femme, même si elle n'est pas dans la police. Oui, elle veut aider. Oui, puis elle le fait très bien. Et d'ailleurs, qui n'est pas non plus dans la police, Catherine. Oui, Sylvestre, vous avez donné votre nom à votre héroïne. Et, oui, c'est plutôt son héroïne qui a donné son nom à l'auteur. Je ne sais pas, c'est comme l'œuf et la poule, qu'est-ce qui précède? Mais en fait, vous êtes la narratrice, que ce soit comme auteur ou comme narratrice du roman. Oui. Mais elle n'est pas enquêtrice. Non, c'est Catherine, ça, c'est un détective amateur. Oui, c'est ça. Mais quand même, elle se mêle beaucoup d'enquêtes. C'est pas sa première, là. Oui, bien, j'oserais pas dire que c'est très, très, très réaliste comme histoire, là, qu'une femme ordinaire se mêle comme ça dans l'enquête. Dans votre mais, roman, oui, c'est ça, mais j'ai misé sur sa curiosité. C'est quelqu'un qui, un peu comme moi, qui veut irrésistiblement savoir, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle chose? Alors, c'est comme ça que j'ai construit le personnage, puis que j'ai justifié le fait qu'elle aille se mettre les pieds dans les plats, comme ça, à chaque histoire, parce qu'elle dit toujours, non, 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 je recommencerai pas, j'en ferai pas d'autres, puis bon, ben c'est ça. Elle a d'ailleurs, pas été longue à convaincre d'embarquer dans une nouvelle Non, 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 ça prend pas beaucoup de temps pour qu'on la convainque. Puis j'ai en projet un quatrième roman, ce qui fait que malgré la conclusion du troisième, qui a fait croire à plein de monde qu'il n'y en aurait pas d'autres, ben non, non, elle va revenir, elle ne pourra pas résister, il va arriver quelque chose, puis elle va se rembarquer dans une enquête. Puis on sent les amitiés féminines importantes aussi. Oui, ben c'est parce que... C'est ça qui est intéressant de faire du roman dans l'ici et maintenant, c'est parce que c'est la première fois que dans mon écriture, je peux utiliser plus mon quotidien, ce que je suis, mes amitiés, tout ça. Donc, ça reflète un petit peu, un peu plus ma propre vie. Donc, l'amitié est importante, l'amitié de tous les genres, de plein de personnes d'horizons différents. Puis en plus, ben, je paye énormément mes amis. Il faut faire attention à ce qu'on dit devant
moi, ça se retrouve des fois dans un roman transformé. Alors, c'est ce qui fait que, oui, l'amitié est importante, parce que c'est là-dessus qu'on se repose quand on rencontre, quand on frappe un mur ou qu'on rencontre un drame, c'est l'amitié qui nous sauve. Et on l'a découvert avec la pandémie, comment on s'est rendu compte à quel point nos amitiés qu'on prenait pour acquises sont précieuses. Et quand on a de nouveau la chance de retrouver les amis, mon Dieu, qu'on est heureux de les retrouver. Mais j'ai envie de faire du millage sur ce que vous venez de dire, Catherine, en pensant... Oui. En pensant au fait que... là, j'ai perdu mon idée, bravo. J'étais toute contente de moi. Sur l'amitié? Oui, dans le pillage. Non, c'était sur le pillage. Ah oui! Le pillage. Est-ce que vous pillez, vous aussi, vos amis? Est-ce que vous prenez des notes quand les gens... Pas nécessairement prendre des notes quand les gens parlent, mais se dire, ça, cette idée-là, ça m'intéresse, Maureen? Bien, je pense pas un peu, mais ce que je fais beaucoup, et je l'assume, moi, j'adore les faits divers. Alors, surtout, comme je l'expliquais un peu pour Zach Lacroche, puis mes autres romans aussi, là, la série policière avec Judith Allison, je vais partir souvent d'un crime qui a existé. Mais j'aimais ce qu'a dit Catherine ici tantôt. Moi, j'aime ça les revisiter et les remettre dans une autre trajectoire. À ce moment-là, des fois, c'est comme dans l'autre roman noir que j'avais écrit avant Zach Lacroche, Une église pour les oiseaux. C'était deux crimes épouvantables, les pires qui s'étaient passés au centre du Québec. Il y en avait deux. Je les ai mis dans un même moment et je me suis arrangée pour que la première victime puisse être épargnée à cause que les deux crimes se faisaient en même temps. Donc, j'ai sauvé une victime de un de ces deux crimes-là. Alors, c'est comme remixer un peu la réalité, mais en l'utilisant, en s'en inspirant comme point de départ. OK. Et Catherine, est-ce que vous pillez? Oui, énormément. Oui, je pille. l'écrivaine, moi, j'aime beaucoup l'écrivaine Joyce Carol Oates, qui est une écrivaine américaine. Elle a dit que pour bien écrire, il faut bien observer. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, je passe beaucoup de temps à justement observer les gens pour être capable de mieux décrire leur maniérisme. J'ai un style d'écriture. Mon éditeur dit que j'ai un style qui est très cinématographique. C'est comme des plans. Il y a beaucoup de descriptions de mouvements, la manière dont les gens se tiennent. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Justement, c'est le genre de pillage que je fais, le genre de notes que je prends. J'observe comment les gens se tiennent, comment ils parlent, comment ils marchent, comment ils... Fait que, puis oui, aussi, je... C'est sûr qu'il faut emprunter aussi un petit peu au vécu, là, ça c'est certain. Puis moi aussi, je m'inspire beaucoup de faits vécus. J'ai fait énormément de recherches pour écrire mon livre, ne serait-ce que parce que c'est historique. Puis j'aimais beaucoup cette idée justement de revisiter des vrais crimes. J'ai pas réussi à épargner de victimes, malheureusement. Ah. Mais peut-être un jour, j'aimerais ça. Mais justement, pourquoi avoir choisi de faire un roman historique? Parce que personnellement, j'en ai fait, là, je sais le trouble que c'est. Donc, moi, bizarrement, je m'étais dit, oh mon Dieu, si je fais un roman policier qui se passe dans les années 60, je serais pas pris avec tout ce qui est technologie. Je suis pourrie, je suis un dinosaure en informatique. Donc, je me suis dit, j'ai évité tout ça. Mais on est sur d'autres soucis de toute manière parce qu'il faut savoir ce que les gens écoutaient, ce que les gens buvaient, ce que les gens mangeaient. C'est un travail colossal, faire un roman historique. Et donc, je me suis dit, pourquoi elle est allée se mettre les pieds là-dedans? Bien, j'adore ça. J'adore l'histoire en général. J'adore faire de la recherche. C'est juste... j'ai toujours été très curieuse. Et pour moi, bien, justement, dans mon idée de faire une espèce d'hommage au roman noir, bien, ça me prenait l'ambiance typique du roman noir, là, avec, justement, beaucoup d'alcool, beaucoup de cigares, puis beaucoup d'endroits enfumés, là. Est-ce que vous avez bu et fumé pendant la rédaction du roman? Pas de cigares, mais bu du whisky, oui. Ça, c'est... Il faut se mettre dans l'ambiance un peu. Mais non, moi, j'adore ça, mais effectivement, c'est un travail assez colossal. Là. Il faut tout rechercher, là, tous les petits détails. Là. N'importe quoi que mes personnages utilisent, j'ai vérifié si ça existait, à quoi ça ressemblait pour être capable de le décrire. La mode, les habitudes alimentaires, ça aussi c'est très important. La circulation, la question des voitures, combien de voitures qu'il y avait, comment on stationnait une voiture dans ce temps-là, c'était quelle grosseur, c'était quelle longueur qui conduisait. C'est étourdissant. Et c'est colossal parce que c'est une somme considérable d'informations qu'on ne livre pas toutes dans le roman, bien évidemment. Non. Parce que
c'est très fluide dans votre roman. On sent pas. J'ai tout lu ça, puis il faut absolument que vous le sachiez. C'est dosé, là. Comment on est en train de parler du travail, comment on fonctionne, comment ça. Là, on sait qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière tout ça. Mais je me demandais à Catherine, est-ce que vous faites un plan avant de commencer à écrire? Est-ce que vous savez où vous en allez? Ou vous. Personnages qui vous guident, comme certains auteurs? Quand j'étais plus jeune, je faisais des plans beaucoup plus détaillés. J'avoue qu'avec les trois polars, ça a été beaucoup plus intuitif parce que l'idée de départ, qui était très, très, très importante, perd de l'importance des fois en fonction des agissements des personnages. Des personnages que j'avais prévus être des figurants comme le couple John et Francis. C'était des figurants, c'était une blague, c'est des copains de travail qui voulaient apparaître dans un de mes romans. Puis qui sont des hétérosexuels. Il y en a un qui est père de famille. Mais il avait le goût. Il me niaisait au midi quand on lavait la vaisselle. Il m'achalait. Tu devrais nous mettre comme un couple homosexuel dans un de tes romans. Alors, je les ai pris au mot. Mais ça devait être des figurants. C'était un clin d'œil que je voulais leur faire. Mais ils ont pris d'importance. Tellement d'importance. Alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent en cours de route. Alors, je sais où je veux aller en général. Souvent, c'est une scène plus dramatique qui est une scène de départ. Ben, on parle d'aquaforme dans La vieille fille et l'enfant. L'idée de départ, c'était dans un cours d'aquaforme, parce que j'en suis, une petite fille tout nue qui sort du vestiaire avec sa serviette. Puis nous, notre cours est en musique. Puis là, elle se met à danser tout nue sur le bord de la piscine. Puis là, moi, je regarde ça, puis je me dis, oh boy! De nos jours, avec toutes les drames de pédophilie, tout ça, je veux dire, c'est heureusement qu'il n'y a pas de pédophile dans la piscine. Puis ça fait clac, voilà, l'histoire est partie, a démarré comme ça. Alors, j'ai une idée, puis finalement, on ne retrouve pas ça dans le roman. Là. C'est pas là, cette scène-là a disparu. Alors, entre ce qui est le projet de départ, je sais où je veux aller, mais les chemins pour s'y rendre, des fois, sont assez tortueux. Alors, il y a une nécessité d'avoir un squelette, c'est sûr, surtout dans le polar, parce que le but, hein, c'est un jeu, le polar. Il y en a qui écrivent sans plan du tout, du tout, du tout. Je sais qu'il y a Manou qui n'utilise pas de plan, que Roger John et Laurie n'ont pas de plan. Ouais. Moi, ça me sidère à chaque fois que j'entends ça, parce que je trouve ça compliqué d'écrire un roman policier. Maureen, comment travailles-tu? Ah non, mais moi, je suis Madame Plan, là. C'est épouvantable. Alors, est-ce que les plans sont spécifiquement féminins? Je ne sais pas. Non, mais moi, j'aime ça. J'aime tellement ça, c'est comme, tu veux te faire une maison, ben tu fais l'architecture de ta maison, le plan de ta maison, pour moi, c'est tellement évident. Puis c'est vraiment une partie que j'adore. Ben, je commence par la documentation. Ça aussi, je m'installe dedans un peu trop longtemps. T'sais, au début, c'était un mois de documentation. Mais plus ça va, c'est deux mois de documentation. Puis moi, il faut encore que j'en sache un peu. Je lis beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup me rendre sur les lieux. Je pense que j'ai manqué ma vocation. J'aurais aimé ça être journaliste d'enquête ou de guerre. Là. En tout cas, je visite beaucoup. Et les gens que tu rencontres, t'sais, comme pour dire que la croche, là, c'est pas mon milieu, le milieu de la chasse et de la pêche, là. Mais les gens que j'ai rencontrés, c'était tellement intéressant. Tu sais, t'as une raison d'aller cogner là, à la porte de la ZEC, parler à une couple de chasseurs, savoir comment ils font pour attraper tel animal ou tel animal, c'est quand la saison de la chasse, comment il faut faire. Alors ça, je trouve ça intéressant. C'est des excuses pour pénétrer dans des univers qui, normalement, te seraient fermés. T'sais. Puis là, c'est incroyable comment les gens nous accueillent aussi. T'sais. Fait que ça, moi, j'adore ça. Puis c'est aussi... Je reste là-dedans un petit bout, mais après ça, je dis non, là, faut que tu t'assoies, faut que tu fasses ton plan. Et le plan, il est fait pour être défait. Hein? Ça peut tenir sur 15 pages. J'ai toutes mes scènes, parce que moi, je viens du théâtre, fait que je fais ça en scène, comme si c'était une pièce de théâtre, mais dans le fond, je devrais dire chapitre, mais je continue d'appeler ça des scènes, où justement, le mouvement est très important, la mise en scène de l'action à chaque scène est importante. Et puis, après ça, tu commences à écrire, puis là, tu t'aperçois que rendu à la scène 6, faut que tu refasses ton plan parce que tu as pris un chemin, dans le fond, en écrivant, qui t'amène ailleurs, tu sais. Mais c'est le fun, c'est plus intéressant, je trouve, comme quand tu voyages, tu sais, tu as choisi tes routes, mais après ça, tu vois quelque chose, puis tu dis, bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce rang-là, puis tu fais des...
des explorations un peu en dehors. Mais tu arrives quand même à destination. Heureusement. J'espère. Catherine, est-ce que vous avez fonctionné aussi avec un plan ou... Oui, bien moi aussi j'en ai besoin. Oui, je trouve ça très important, surtout parce que moi aussi je vois ça comme un jeu, c'est certain. C'est comme un casse-tête. Mais j'aime beaucoup jouer avec les points de vue. Et que là, chaque chapitre, dans mon plan, en fait, j'ai l'information qu'on apprend, l'information qui est comprise par le personnage, parce que tous les personnages ont des œillères, bien sûr, puis ils interprètent ce qu'ils apprennent de manière différente pour semer le plus de fausses pistes possibles, mais en même temps, savoir où je m'en vais. Fait que ça devient un gros casse-tête, mais moi, j'adore les casse-têtes. Moi aussi. C'est drôle. On a parlé des personnages. Est-ce que vos personnages font parfois... Je sais, moi, la première fois... Moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, que des personnages fassent des choses que j'avais pas prévues. Ben, les personnages m'ont surprise. Je n'osais pas en parler jusqu'à temps que j'entende Michel Tremblay dire que les personnages, une fois, bon, ils font ce qu'ils veulent, puis que lui, il les contrôle très bien, que c'est lui le boss. Donc, ça, on n'est pas tant ésotérique que ça, mais il y a une espèce de magie quand on écrit qui parfois s'installe. Ça n'arrive pas. Moi, ça m'arrive pas dans tous mes romans. C'est pas que je veux me mettre en scène, mais comme exemple, juste pour dire, soyez à l'aise de dire si vos personnages font des choses qui vous surprennent. Mais est-ce que Coco a fait des choses? Coco, on le sait, c'est le seul personnage qui existe dans la réalité. Il est autant... Tout ce que fait Petit Coco, sauf dire crotte quand il fait la chose, ça, j'avoue, mon coq à ciel ne prévient pas. Quoique, en tout cas, il y a une technique pour essayer de ne pas le faire sur moi, mais à part de ça, non, les personnages, c'est parce qu'il y a une espèce de cohérence interne qui s'installe dans l'histoire quand on la construit. On a fait notre plan, on sait où on veut aller, placer les morceaux, mais en mettant les personnages en relation dans la façon dont ils interagissent, à un moment donné, on se rend compte, bien là, je voulais avoir tel échange, telle conversation entre les personnages, puis qui s'engueulent ou qui font ressortir une information. Et tout à coup, on s'aperçoit que je peux pas raconter cette chose-là à ce moment-là. Alors, ça nous oblige à un moment donné. Je sais pas jusqu'à quel point les personnages, justement, à un moment donné, nous jouent des tours et acquièrent comme une autonomie. Ça a l'air, oui, ça fait un peu ésotérique de dire ça, hein? Puis les directeurs littéraires n'aiment pas ça, qu'on dise que les personnages prennent le contrôle. Mais en quelque part, moi, je le dirais, ça fait plus plaisir à mon directeur littéraire, que c'est parce qu'il y a une cohérence interne au roman, à un moment donné, qui exige que non, là, tu ne peux pas faire ce que, comme auteur, toi, tu avais prévu de faire, parce que là, ce serait tordre ton intrigue. Puis que là, la façon dont s'est établie la relation entre les personnages, bien, si tu veux régler tel problème, mais il faut que tu revois ton plan, de quelle façon tu vas t'adapter pour que ça arrive. Mais est-ce que les personnages, Maureen, changent ton plan ou tu as le contrôle total et absolu? Bien, c'est-à-dire que quand ils prennent vie, tu sais, dans les premiers chapitres, donc tu avais une idée du personnage, puis comme ils traversent une situation, une deuxième situation, bon, tu sais, ils se développent. Alors, je pense que, comme dit Catherine, il faut suivre un peu, être très attentive à la cohérence du personnage. Puis je trouve que le danger, c'est plutôt l'inverse des fois. C'est pas tellement le personnage qui nous domine, mais des fois, nous qui voulons dominer le personnage, tu sais, comme on dit, tu sais, tordre le bras à son personnage parce qu'on ne sait pas comment résoudre, par exemple, un nœud qu'on vient de rencontrer dans notre histoire. Mais là, tu sais, on va forcer un petit peu un personnage à faire une action qui ne lui appartient pas. Alors là, c'est plus le personnage qui bouge, là, c'est l'auteur qui force le dialogue dans la bouche du personnage ou va forcer. Puis ça, le lecteur le sent, tu sais. Tu sais, qu'il dit, voyons, tu sais... C'est un peu arrangé. Il a forcé son personnage. Fait qu'il y a quelque chose, c'est très... Il faut être très, très attentif. Il faut vraiment toujours beaucoup de questions pendant qu'on écrit ou après qu'on a écrit, qu'on se relit. On se dit, mais est-ce que c'est dans sa ligne? Est-ce que c'est logique que mon personnage fasse ça? Même si c'est inventé, c'est de la fiction. Il y a une logique. Il faut que ce soit plausible. Oui. Il faut que ce soit cohérent. Il faut que ça suive une certaine cohérence psychologique aussi avec l'action. Catherine, est-ce que les personnages vous ont mené dans des chemins que vous n'aviez pas choisis? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon écriture, un peu comme Maureen disait, les personnages se complexifient, puis ils prennent comme leur propre vie, puis deviennent
autonome. En gros guillemets, c'est vrai que ça fait ésotérique quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que c'est ça, parce que oui, la cohérence, c'est important, puis surtout, plus ça va, plus ça devient comme des vraies personnes, puis là, les vraies personnes sont complexes, puis parfois font des choses contradictoires, puis là, il faut savoir cerner c'est quoi la limite exactement des comportements que les personnages peuvent avoir, des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux, puis tout ça, ça peut devenir assez flou, fait que c'est important justement de pas tordre le bras au personnage. Mais des fois, c'est vrai qu'on a envie de qu'ils nous rendent service. Mais moi, ça me fait réfléchir à quelque chose aussi. Il y a le côté un peu comme... bon, moi, j'ai des enfants, puis tu sais, des fois, ils veulent faire des choses ou ils sont pour faire des choses, puis tu veux les arrêter. Il y a ça aussi dans le sens que... moi, quand il y a des... tu disais tantôt, il y a des scènes cruelles, certaines scènes assez cruelles. Oui, mais c'est tellement mérité. Non, mais dans avec la croix. Bon... donc, c'est de la cruauté commise par des femmes, en tout cas, ces personnages-là. Et ça, là, fallait que je leur donne la permission de le faire. Tu sais, c'était logique, c'était cohérent, tout ça. Mais moi, comme auteur, tu sais, il fallait que je cède du lest un peu, puis je vais jusqu'où, puis pas trop, puis un petit peu moins. Tu sais, j'ai comme moi-même, avec ma propre sensibilité ou ma propre réserve d'auteur... Tu sais, parce que, je veux dire, l'action est là, mais jusqu'où tu laisses tes personnages la développer, tu sais. C'est ça aussi, là, la limite à mettre à tes personnages, comme on met des limites aux enfants, là, je sais pas. Mais je rencontre ça des fois, tu sais. Bien, on le sent, le questionnement, de toute façon, de ces deux femmes-là qui veulent se venger. Il y a quand même des hésitations. Là. Oui, bien, c'est ça. C'est très bien rendu, qu'on n'est pas dans le passage à l'acte, dans la seconde. Là, il y a tout un travail, un cheminement vers le crime qui est vraiment intéressant, passionnant à suivre. Mais moi, je me demande aussi, parce qu'on est sur une table ronde au féminin, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont particulièrement féminins? Je pense, entre autres, dans vos romans, la culpabilité est plane au-dessus de tous les personnages. Il y a quelque chose qui est... bon, est-ce que, par exemple, est-ce que les deux femmes vont passer à l'acte ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas aussi de Léopold, qui revient de la guerre, qui est un homme détruit, puis qui se sent très coupable de ne pas rendre sa femme heureuse, qui l'a attendue tout ce temps-là. Donc, il y a cette culpabilité. Dans le cas de Catherine, il y a cette femme qui a perdu son ami, puis qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont toute une petite notion de culpabilité, puis on dit souvent ça, que la culpabilité, c'est féminin. Et moi, je me demande jusqu'où c'est valable, cette affirmation. Bien, c'est vrai que... Bien, je ne sais pas si c'est aussi vrai pour Catherine, qui est un peu plus jeune, mais nous, on est quand même de la génération qui a reçu une éducation judéo-chrétienne. Et je pense qu'il y a beaucoup qui repose sur les épaules des femmes, qu'on doit aider le monde doit aller mieux, on doit soigner, on doit prendre soin. Alors que quand on écrit des polars, ben excusez, mais on exploite des drames. Je veux dire, moi, la mort, je trouve pas ça drôle, là. Moi, j'ai perdu des proches, puis j'ai pas envie de rire de la mort. Puis là, je me trouve à faire du polar léger, comme si c'était rigolo, alors que c'est un drame. Fait que déjà, comme écrivaine, je pense qu'on a à se permettre, tu sais, quand tu parlais du passage à l'acte des personnages, bien, on a à se permettre finalement de raconter des choses horribles. Moi, j'ai écrit un roman sur une histoire de kidnapping puis de meurtre d'enfants, alors que je viens d'avoir une petite fille qui va avoir 3 ans. Mettons que c'est... Alors oui, on la vit, je pense, la culpabilité, parce que c'est un peu dans le fardeau, la job traditionnelle des femmes. Mais peut-être que ça nous libère d'écrire des romans policiers. Peut-être qu'on serait terrible si on n'écrivait pas de polar. Bien, la colère, je trouve... tu parlais de génération. En tout cas, je suis d'une génération où il fallait être gentil et c'était pas beau, la colère, et tu sais, frapper en retour et tout ça. Je pense que c'est intéressant de... Parce que moi, je m'intéresse beaucoup... On parlait des personnages, mais je m'intéresse beaucoup au personnage de la femme criminelle. Puis, je l'ai exploré dans plusieurs romans... différentes femmes qui ont commis différents crimes. Et elles ne sont pas toutes traversées par la culpabilité, dans celui-ci, mais souvent aussi, c'est plutôt... ça peut être... c'est de l'introspection. Je pense qu'on peut-être que...
les femmes sont plus à l'aise de plonger de façon un peu plus profondément, je ne sais pas trop, dans les méandres du mobile du personnage. Qu'est-ce qui les anime? Ça part d'où cette colère-là? Ça part d'où cette idée de vengeance-là? Au-delà de juste le crime. Ouais. Le crime ne nous intéresse pas tellement. Le crime, on le fait arriver dans l'histoire, mais c'est pour aller visiter ce qui a conduit au crime, la trajectoire des femmes qui en viennent à être criminelles, à traverser cette ligne-là. Qu'est-ce qui a joué dans leur vie? D'où viennent? Parce que je me rappelle, tu parlais de Michel Tremblay. Moi, il avait nommé, il disait, mes personnages féminins, plusieurs ont la rage. Tu sais, ils sont animés par la rage. Puis même dans le texte, on l'entend souvent. Oui. Puis moi, j'avais appris ce mot-là, rage. Les femmes, tu sais, ont de la rage. Mais tu sais, rage, colère, ça m'intéressait. Puis elle est nourrie par quoi, tu sais? Fait que ça, c'est... Tu organises ton récit pour qu'on aille surtout visiter ça. Bon, puis ça conduit au crime, mais je dirais presque que c'est un prétexte pour raconter l'autre histoire. T'sais. Oui. Okay. Pour moi aussi, le crime, c'est un prétexte pour explorer d'autres choses, mais moi, c'est pas pour explorer justement ce qui mène au crime, mais plutôt ce que le crime puis l'enquête fait ressortir chez les autres personnages. Puis oui, il y a de la culpabilité chez mes personnages, mais c'est surtout les hommes qui se sentent coupables, justement. Oui. J'essayais de renverser la vapeur un peu, puis de mettre en scène des hommes qui sont fragiles et brisés et peut-être plus doux. Oui, oui parce que Suzanne, elle se sent pas coupable. Elle trouve ça regrettable que ce que vit son mari. Elle essaie de l'aider. Puis Adèle essaie, elle, de prendre sa place. Parce que dans la police, on sent qu'on n'est pas prête à l'aider. Là. Mais elle se sent pas mal d'essayer de prendre sa place. Non, c'est ça. C'est Léopold qui se sent coupable d'être parti aussi longtemps, d'avoir autant de difficultés à revenir. Puis Marcus qui se sent coupable de plein d'affaires puis qui boit pour oublier. C'est les hommes qui ont une culpabilité incroyable dont ils sont pas capables de se défaire parce que, justement, ben, les femmes, on a beaucoup de culpabilité dans la vie. J'avais envie d'évacuer ça de mon livre, mettons. Parler d'autres aspects des femmes. Ce qui m'a beaucoup surprise dans le livre, c'est que le personnage à Léopold, qui est un ancien militaire, consulte. Elle va voir un psy, puis je me disais à l'époque, il ne devait pas avoir tant de monde que ça qui allait consulter parce qu'il en avait besoin. Puis on sent qu'il va un peu à reculons, là, pour faire plaisir à Suzanne. Mais d'où est venue cette idée-là? Cette idée-là, c'est vraiment une liberté historique parce que oui, effectivement, c'est pas le genre de truc qui était très commun à l'époque, mais moi, je voulais absolument parler de traumatisme, parler de santé mentale. Et c'était comme ma gimmick pour arriver à faire ça. Je voulais explorer la psyché du personnage sans nécessairement complètement ralentir l'intrigue à tout bout de champ pour qu'il y ait des dialogues sur son vécu avec les autres, tu sais. Fait que parler à quelqu'un, parler à un spécialiste, c'était la façon d'explorer le personnage. Il y a une chose que je me suis posée, une question que je me suis posée en vous lisant, puis en me demandant dans tous les romans policiers que je lis, parce que j'en écris, mais j'adore le roman policier, j'en lis constamment. Je pense, mais je peux me tromper, arrêtez-moi, si quand on écrit des scènes de meurtre, des scènes cruelles ou des scènes d'agression, pas nécessairement que notre personnage commet, mais... Moi, j'ai l'impression que les femmes, on s'étend moins sur la description. On n'est pas dans le... On va éclabousser tous les murs de sang. On veut que les gens comprennent que le meurtrier est dangereux, que l'agression est grave. Quand il est question d'enfants enlevés, de viol et tout ça, puis dans le cas de Maureen, je ne dirais pas la fin parce qu'elle est remarquable et redoutable, mais on comprend ce qui se passe, mais on n'assiste pas à un déferlement d'hémoglobine et on n'a pas de complaisance. C'est ça le mot que je cherchais. Non, à écrire des scènes, puis les étirer pour dire « Ah, c'est dur », puis j'ai l'impression que les femmes, on se limite plus que les hommes. Bien, peut-être, ce serait intéressant de compter le nombre de pages ou de paragraphes à ce sujet-là, puis les doses de sang, mais on avait déjà eu cette discussion-là dans une table ronde, puis là, ça m'avait obligée à réfléchir, puis dans ma série policière de Judith Allison, j'avais réalisé qu'elle ne tirait pas un seul coup de feu dans Le jus de l'ogre, dans mon premier roman, puis que dans le deuxième, l'enfant promis a dégainé, mais tu sais, c'était son adjoint qui finalement tirait la balle de ce roman-là. Après ça, il y en a eu plus après, mais je veux dire,
Moi, c'est un parti pris de pas aller dans le polar ou le roman policier à effets spéciaux ou spectaculaires, tu sais, avec des carambolages de voitures, puis justement, là, du shooting avec du sang partout, là. Parce que je me disais, bon, comment on peut faire exister ça autrement? Les crimes sont aussi graves, mais de mettre en scène plutôt la criminalité avec quelque chose de plus quotidien. C'est peut-être pour rapprocher ça des gens, comme dans ton œuvre. Moi, ce que j'aime, c'est que la criminelle peut être ta voisine. Je trouve que c'est une ligne, c'est exactement ça, moi, qui m'inspire. C'est pas obligé d'être des meurtres avec des appareils épouvantables ou des affaires de torture. On prend ce qu'on a sous la main. Je veux dire, c'est très, très cuisine, c'est très quotidien. Oui, si un réalisateur qui nous entend, nos livres sont payés. On coûte pas cher, moins cher. On coûte pas cher à filmer. Pensons-y, que ce soit un de nos trois livres, vos trois livres, c'est on coûte pas cher. J'ai presque envie de passer à une question du public parce qu'il y en a plusieurs qui se multiplient. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, puisque les autrices parlent de construction de personnages et de psychologie, se sont-elles documentées sur la psychologie des meurtriers? Ont-elles fait des entrevues avec des criminologues, des détectives et des avocats? Oh, à part des lectures, des ouvrages, entre autres sur les tueurs en série puis les tueurs d'enfants, non, c'est drôle, hein? J'explore finalement la psyché humaine sans nécessairement aller... j'ai pas rencontré de criminels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences des crimes. Donc, c'est plus de voir ça du point de vue des innocents, de ceux qui sont soupçonnés à tort. Alors, non, j'avoue que là-dessus, j'ai pas fait... À part une rencontre d'auteur en prison, j'ai pas fait de rencontre avec des vrais meurtriers ou des vrais criminels. Je pense que c'est difficile de rencontrer des meurtriers, ça sera embêtant. Moi, je me suis pas rendue en prison, mais j'ai eu accès pour deux, trois romans à aux procès-verbaux des procès, là, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est vraiment le témoignage de la victime ou de l'avocat de la victime. Mais c'est les vrais papiers, là, tu peux avoir accès à ça. Puis j'aime ça parce que je trouve que dans la façon dont la personne qui a commis le crime le raconte, ça en dit tellement sur qui est cette personne-là. Puis là, dernièrement, j'ai eu accès à une vidéo là, avec l'enquêteur puis la femme criminelle. C'est une vidéo de 2 heures où elle confesse vraiment tout ce qu'elle a fait. Là. Et puis, c'est vraiment intéressant. Puis même pour un autre, à l'époque, c'était un crime qui s'était connu. C'était dans l'enfant promis. C'était un crime qui s'était commis une trentaine d'années dans le bout de Valleyfield. Puis le policier que j'avais rencontré là-bas, il était à la retraite. Puis il était fâché un peu, je pense, contre son groupe, je sais pas trop. Puis il m'avait donné tous ces papiers concernant ce crime-là, dont un journal d'Allopolis. Ben moi, j'étais allée à la Grande Bibliothèque, tu sais, j'avais tout fouillé les beaux journaux, mais je pense qu'à la Grande Bibliothèque nationale, ils n'ont peut-être pas des copies numérisées des Allopolis de l'époque, mais des années 80, il y avait ce journal-là, j'ai encore chez nous, d'Allopolis, et à l'époque, les journalistes, le photographe avait pris des photos de la personne qui avait été... tuée et je ne sais pas pourquoi, la déposition, mais écrite là, comme en langue parlée, là, de la criminelle était là sur 3 pages. Mais tu verrais plus ça aujourd'hui, tu sais, puis... fait que des petits journaux jaunes, finalement. mais c'est vrai ce que tu dis, hein, quand tu dis c'est très parlant, tout ça. Moi, j'ai lu des rapports de police, puis bon, ça, c'est pas écrit, parce que c'est pas pour le style qu'on lit ça, là. Mais on entend l'histoire, ça nous donne des pistes, ça nous donne des angles qu'eux-mêmes, ils ne savent pas quand ils l'écrivent que nous, ça va nous rendre service, mais c'est des mines d'or. Dans ça. Une église pour les oiseaux, l'autre roman noir que j'avais écrit juste avant avec la croche, les criminels étaient allés, ils racontent ça, ben on est allé au Canadian Tire acheter la scie à viande pour découper. Bon, tu sais. Je dis, tu sais, il raconte ça, puis un autre qui disait, ben moi, j'ai nourri mes bêtes le matin, tu sais, parce qu'il restait sur une ferme. Puis, bon, tu sais, le côté quotidien là, du criminel, tu sais, la vie s'arrête pas parce que je vais faire un crime à 3 heures de l'après-midi. Il faut que je passe à la caisse, tu sais. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça intéressant. Ouais. Mais ça, tu l'apprends quand tu lis leurs dépositions, puis ou quand tu les entends, mais.
Catherine, est-ce que tu as rencontré des... vous avez rencontré, excuse-moi. Ça va. Non, parce que justement, moi, je parle pas de la psyché des criminels. Pour moi, c'était comme une pente trop glissante sur laquelle ça va. Non, mais simplement, par exemple, le travail des policiers à cette époque-là, si vous aviez rencontré des vieux enquêteurs, parce que ça, on sent quelque chose de vrai, là. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'ai visité le musée de la police du SPVM. Oui. Tu peux visiter ça sur rendez-vous seulement, et c'est une visite guidée. Alors, c'est ça, j'ai pu parler à des anciens policiers puis des gens qui étaient responsables, qui sont responsables maintenant de l'archive, l'archivistique là-bas, qui m'ont montré des vieux rapports de police. J'ai pu parler avec eux de quoi ça ressemblait d'être un policier dans les années 60-70. Ah, c'est formidable. C'était incroyable, oui. Donc, j'ai pas parlé à des criminels, mais j'ai parlé à des policiers. Autre question. Que préférez-vous de l'écriture polar? Qu'est-ce qui est particulier au style selon vous? Par rapport, j'imagine, à un roman d'amour. Ben non, je vais poser la question à Catherine Côté, puisque vous avez écrit des romans d'horreur, vous avez écrit, il y a de la poésie aussi. C'est pas le roman policier, ça, on est complètement ailleurs, là. En tout cas, par rapport à la poésie, il y en a dans votre livre, mais c'est deux choses, là. On est vraiment loin. Ben moi, c'est l'intrigue, mais surtout l'ambiance qui me parle énormément. Parce que D'où le whisky et la fumée, et tout l'imaginaire de la fin des années 40, là. C'était une façon de s'habiller qui était particulière, puis une façon de se comporter, les mœurs qui étaient différentes. Puis moi, c'est un univers qui me parlait en général. OK. Maureen, pourquoi le polar? Ben moi, je trouve que le roman policier, c'est un bon véhicule. On parlait d'être accessible, d'avoir une littérature aussi qui peut être accessible à un grand nombre. Je trouve que c'est une littérature populaire, intéressante, bien écrite, tout ça. On a des excellents auteurs de romans policiers québécois. Et dans ce sens-là, je trouve ça intéressant pour ça. Et je trouve que de plus en plus, le roman policier parle beaucoup de la société, se penche sur des questions éthiques, morales, sociales, avec des beaux débats. Et dans la criminalité, tu sais, la criminalité en dit beaucoup sur la culture d'un milieu aussi. Moi, c'est souvent mes romans se passent en région, dans mon coin, tout ça. Mais je suis sûre que c'est le type de crime qui se passe par chez nous en dit sur la région aussi. Tu sais, différent de ce qui va se passer dans le fond d'une ruelle à Montréal, par exemple. Fait que je trouve que c'est porteur au niveau culturel, c'est porteur au niveau social, puis c'est une littérature quand même assez populaire, donc qui rejoint un grand nombre. Une question, moi, je me posais, c'était sur les personnages récurrents. Parce qu'il y en a, bon, ça, c'est pas des personnages récurrents, mais dans tes précédents, Maureen, il y a un personnage qui revient, Catherine revient. Bon, j'imagine que vous allez nous ramener Léopold et Suzanne, et en tout cas, on l'espère, là, ce serait sympathique. Mm-hmm. Et pourquoi ce choix d'avoir un personnage récurrent? Moi, je sais pourquoi j'utilise un personnage récurrent, là, mais vous? J'ai fait souvent des dans une autre vie, j'ai écrit de la littérature jeunesse où je faisais des séries. Puis à l'origine, c'est jamais voulu. Quand j'ai écrit la première version de ce qui est devenu La vieille fille et la mort, je pensais pas en faire une série. Mais c'est en même temps, c'est quand on s'attache au personnage, quand on accorde autant d'importance au personnage dans une histoire, c'est que ils ont encore des choses à nous dire après, quand on a tourné la dernière page. Alors, c'est ce qui fait qu'on est appelé à... Puis en plus, bien, c'est parce qu'on récolte des commentaires. Il y a nos amis qui ont lu puis qui disent « Ah, oh, ben là, j'ai aimé ça » ou on croise des gens, on entend des choses puis tout à coup, « Oh, ça ferait une bonne idée de roman. » Puis là, tu revois ton personnage puis tu dis « OK, oui, je vais ramener le personnage. » Moi, on m'a déjà demandé combien il y aurait de Catherine Sylvestre, puis je réponds toujours, bien, tant que je vais avoir des idées, je veux dire, j'ai terminé le troisième, puis là, tout de suite, j'avais l'idée pour le prochain. Alors, bon, bien, la machine se remet en marche, on construit. Alors, c'est pas volontaire, on s'embarque pas là-dedans en disant, oh, je vais faire une série de 12 romans. Je pense pas que mon éditeur apprécierait de toute façon. Mais c'est un peu la nécessité qui est appelée par le roman, puis aussi l'amour qu'on peut avoir envers certains personnages. Bien puis ça. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de
pas de figurants, mais de personnages secondaires dans mes romans. Puis le plaisir, c'est de les ramener dans une autre histoire plus loin avec quelque chose de particulier qu'ils ont vécu, comme le personnage de Jeanne dans La vieille fille et l'enfant, qui était une figurante dans les autres romans de la série, qui était une femme terne, éteinte, souffreteuse et tout, puis qui tout à coup est transformée après la mort de son mari, puis qui devient comme une autre figure dans le roman. Et une figure importante. Oui. Ça, c'est ça qui est intéressant de faire des histoires avec des personnages récurrents. Et Maureen? Ben moi, je lisais beaucoup de romans policiers, puis ce que j'aimais le plus, c'est quand il y avait des séries, tu sais. J'aimais les séries. Puis je commençais à numéro un, puis là, quand j'ai découvert Valinda, je les ai toutes lues, tu sais. Chaque fois, je découvrais, tu sais, Joanne Seymour, ben tu sais, Kate McDonald, je les ai toutes lues, tu sais, Rinzen après, Maud Graham, je les avais toutes lues. Fait que j'aimais ça parce qu'on s'attachait. Puis là, moi, je voulais créer mon enquêtrice, puis je voulais... Je me dis, bon, je vais écrire un roman à peu près aux 2 ans dans la série, puis je vais la faire vieillir de 2 ans. Là, je commence mon 5e, puis je vais commencer à 30 ans. Mais là, j'ai dit, mon Dieu, elle vieillit bien trop vite, là. Puis je sais qu'on peut ralentir ça, mais je commence le 5e. Je sais chouette. Pas si ça va être le dernier, mais on ne sait jamais. L'affaire que je ne sais pas, c'est quand sera le dernier. Mais je savais, en écrivant le premier, j'en visais, tu sais, au moins 5, là. Fait que après on sait pas là, tu sais, comme puis pour qu'elle puisse évoluer aussi, parce que tu crées une enquêtrice, tu dis ça c'est intéressant, mais c'est pas si original, tu sais, il y a de plus en plus d'enquêtrices dans le polar québécois et mondial partout. Après ça tu dis ok, on va avoir un enfant, bon nanana, tu sais, après bon, tu sais, tu veux lui faire vivre différentes étapes aussi de là, il faut qu'elle travaille en gérant sa famille et bon, un autre coup, bon, ben être enceinte pendant qu'elle travaille. Oui. Donc, ça, c'était des aspects de l'enquêtrice que je voulais explorer. Donc, il m'en fallait, ça ne pouvait pas tout arriver dans le même roman. Fait qu'il y a la notion de temps, de la revoir à différents moments de sa vie. Même un moment où elle est monoparentale, tu sais, on parlait de nos amis, là, ça, j'en ai eu des amis monoparentales, puis je me suis dit un jour, nous le dirons. Fait que, on en parle aussi à un moment donné dans un des romans où elle est dans cette situation-là. Fait que c'était ça, c'était pour visiter ces facettes-là. Mais je peux te dire par expérience que ça va si vite finalement, on écrit puis on s'en rend pas compte. Moi, je suis au 19e au Gramme. Puis je pensais jamais que ça serait ça dans ma vie. Là. J'ai pas imaginé ça une fois. Donc, on attend vos suites, mesdames, avec intérêt. Parce que moi, je suis comme toi, j'aime ça des suites. Donc, les séries, j'aime ça suivre, ben retrouver le personnage. On est comme en famille et on connaît. Ils vivent réellement pour nous, les personnages que vous créez. Moi, j'attends qu'ils viennent sur mon épaule, le petit coco. C'était Kate McDougall. J'ai pas dit le nom comme il faut de l'héroïne de Joanne. De Joanne, c'est Joanne ça. Seymour, précisons-le. Qu'on aime beaucoup et qu'il y a deux héroïnes récurrentes aussi. Oui, dans Rinzen, dans les deux derniers. Rinzen, mais on aime ça les suivre aussi. Oui, fait que, oui. On écrit ce qu'on aime. Hein? Oui. On répète ce qu'on aime. Question du public. Quels sont les sujets tabous? Ou plutôt, y a-t-il des sujets tabous que vous n'avez pas encore abordés dans vos romans? Sinon, sentez-vous que le polar vous donne une liberté pour aborder certains tabous sociaux? Les tabous? Des tabous. C'est peut-être la manière d'aborder plus que le sujet, en fait. Oui, parce que dans le fond, on ne sait jamais d'où les idées vont nous venir, qu'est-ce qui va déclencher une idée de roman. Hein? Alors, pour moi, le tabou, ça n'existe pas parce que je ne sais pas quelle va être la prochaine idée que je vais avoir, puis qu'est-ce qui va surgir. Alors, puis comme ce qui m'intéresse, moi, c'est les conséquences des crimes, moi, j'en verrais pas. J'aimerais pas tomber dans la complaisance de découvrir d'écrire de la violence pour la violence, parce que là, c'est une question, on en parlait, hein, de sensibilité personnelle, mais sinon, moi, je pense qu'on écrit les histoires qu'on a envie d'écrire, puis je sais pas, les limites... Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Si, puisqu'on parle de criminalité, on peut parler d'à peu près n'importe quoi. Ça nous donne une certaine liberté. On a un bon éventail de sujets. Oui, puis dans mon cas, j'ai commencé avec... Parce que oui, je planifie de faire d'autres livres, justement. Bon, voici une bonne nouvelle. Ben oui, très bonne nouvelle. Mais c'est ça, je voulais... puis je veux, dans mes
différentes suites que je planifie. Je veux parler plus de l'histoire de la ville de Montréal puis de la criminalité ici, donc parler du red light, la prostitution, la corruption policière et tout. Mais ça me prenait un sujet, entre guillemets, neutre pour établir mes personnages puis avoir une base, tu sais. Alors, j'ai choisi l'église et des meurtres de petits-enfants. C'est quand même assez... C'est ça, je me suis dit que tant qu'à y aller, j'allais aller à fond dans quelque chose qui, moi, me rend profondément mal à l'aise et triste, puis vraiment explorer un crime qui est grotesque, ne serait-ce que pour me mettre au défi moi-même et faire ça de manière, justement, sans tomber dans la complaisance, avec bon goût, disons. Oui. Ouais. Fait que je pense que non, il y a des tabous, mais en même temps, tout est dans la manière de le décrire, justement. Ben, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ben, tabou, non. Comme moi, je me suis fait reprocher des fois, au niveau, par exemple, des scènes un peu érotiques ou où il se passe des relations sexuelles entre des personnages, que ça n'avait pas sa place ou qu'il y en avait trop, ou que tu n'as pas besoin d'écrire autant, laisse-nous deviner. Bon, lâchez-moi, là. Mais tu sais, dans le sens que... Moi, j'avais pas de tabou par rapport à ça, mais on me demandait d'en avoir une certaine réserve. J'ai presque envie de te demander qui faisait ces commentaires-là. Non, mais je te dis. Non, mais tu sais, il y a des gens. Mais pas mes amis de filles. Mes amis de filles, ils aimaient bien ça. Fait que, non, mais moi ça, je me posais pas de tabou, mais il y aurait pu en avoir un là. Moi, mes tabous, mes réserves, je dirais, sont ailleurs, dans le sens que je me sens pas toujours légitime. De mettre en scène des personnages. Comme par exemple, dans Zec Lacroche, je me suis posé la question, il y avait deux femmes Atikamekw qui jouent un rôle très important dans ce roman-là. Je me suis dit, bon, je ne suis pas Atikamekw. Oui, j'ai parlé à des personnes de plusieurs communautés autochtones et tout ça. Je suis bien renseignée. Mais en même temps, tu as toujours, avec tout ce qui s'est passé là, avec Kanata, bon, puis là, tu as un petit peu de « j'ai-tu le droit de faire ça? Je peux-tu aller jusque-là? Oui. » Tu sais, comme je me sentais capable de le faire, je me sentais autorisée, mais je me pose quand même la question, tu sais, des fois, j'ai-tu d'affaires à faire ça? J'ai-tu le droit de faire ça? Ou, tu sais, je pourrais me poser la même question, je sais pas, moi, si je créais une enquête, une personne qui était à la tête des enquêtes, qui était trans, mais j'irais pas là parce que je connais pas bien cette réalité-là, pour cette raison-là davantage, tu sais, mais des fois... J'ai envie d'épouser des causes, exemple, et, tu sais, des situations où il y a des Autochtones dans une histoire, mais je me dis, est-ce que je dois avoir une certaine réserve par rapport à ça ou pas? Et plus, c'est plus là que sur les scènes érotiques, pas de problème. mais c'est vrai que la question de l'appropriation culturelle, c'est embêtant. Moi, je le vis avec le personnage de Willy, qui est très importante pour moi, qui est comme une incarnation de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis que j'ai eus dans ma vie. Puis j'aimerais tellement ça, à un moment donné, si ça se prêtait dans une histoire, parler de ses origines, parce que j'ai le goût, là, que, ben, pas du côté de son père qui est jamaïcain, mais que du côté de sa mère, en quelque part, j'aimerais ça parler des personnes de race noire qui vivent ici depuis aussi longtemps que nous autres, parce que ça a été des esclaves, ou j'aimerais ça aller par là, mais en même temps, c'est embêtant, c'est ça, tu te dis, comment ça va être reçu, puis, quelle fascinante recherche. Il y a beaucoup de travail de recherche à faire. Il nous reste 4 minutes. Oh. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des coups de cœur que vous avez envie de partager? On est dans un salon du livre, après tout, différent de celui qu'on connaît habituellement, mais imaginons-nous qu'on se promène dans les rayons et qu'il y a des livres partout. Est-ce que vous avez un auteur que vous avez envie de faire découvrir aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, auditrices? Ah, ben c'est un peu gênant devant Catherine qui écrit du polar historique. Mais moi, un de mes auteurs favoris à la même maison d'édition, c'est Maxime Houde avec ses romans qui se passent à la fin des années 40 à Montréal, parce que ça me rappelle des lectures d'adolescence de romans policiers américains noirs avec des détectives. Alors, Maxime Houde, entre autres, La vie rêvée de Frank Belair, que j'aime beaucoup. Ben mon Dieu, y en a beaucoup à faire découvrir. J'ai lu cet été, je veux juste dire, parce qu'à cause de la pandémie et tout ça, je trouve qu'il y a des polars qui sont qui nous font du bien de ce temps-là. C'est pas juste... ils nous font voyager aussi, alors qu'on n'a pas le droit de voyager. Puis ça fait exprès, il y en a eu deux excellents cet été, en tout cas que moi j'ai lu. Là, il y en a eu peut-être plus que ça, qui nous faisaient voyager en Gaspésie, posée de la Madeleine. Ah oui. C'est Jean Lemieux avec ses demoiselles, Dave Robert, puis Roxane Bouchard avec La mariée de corail. Ouais.
Et puis même, j'ai relu, tu sais, le sel de la mer. Alors, c'est magnifique aussi, le polar, pour le voyage de l'intérieur. Tu sais, tu rentres vraiment dans des endroits puis dans des paysages. En tout cas, avec ces deux auteurs-là, là, on est là. Je vais être franche, et moi... Et ça fait du bien. Ça a tellement fonctionné là, que qu'après avoir terminé la lecture du livre de Roxane, j'ai cherché sur Internet un hôtel en Gaspésie. Ça a été automatique. Là. Ça a fonctionné. Là. Ouais. Et c'est vraiment des livres formidables. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense aussi dans la collection Héliotrope. Oui. Ça, c'est formidable parce que c'est vrai que ça nous promène dans tous les coins du Québec. Je pense à Marie-Ève Sévigny avec Santerre à l'île d'Orléans. Oui. Tu as envie d'aller cueillir les fraises, acheter du pain. C'est Amqui, tu as envie de te prendre une chambre au motel dont il est question. Là, ça a l'air trop le fun d'aller Oui, il y a de l'action. Catherine, une petite suggestion? C'est très différent. Moi, j'ai un blanc total. Là. Me mettre sur le spot comme ça pour nommer les gens, j'ai bien de la misère. C'est pas nécessaire que ce soit un polar. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Non, là. C'est ça. Ça peut être un recueil de poésie. Je voudrais... c'est encore plus compliqué. Mais non, il reste juste 2 minutes. J'ai pas le temps. Mais non, j'allais recommander le roman de Mathieu Villeneuve, qui est mon éditeur, mon cher éditeur chez Triptyque, qui est aussi un auteur et qui a écrit Borealium Tremens, qui est sorti aux éditions de La Peuplade il y a quelques années. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'écriture du territoire. Justement, ton roman, ça va me parler pour cette raison-là. Ben, Mathieu, lui, s'intéresse beaucoup à l'imaginaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Qui est sa région à lui. Donc, c'est un vrai roman de bois qui réinvente ce que c'est justement que de faire du fantastique contemporain, que de faire du roman noir de territoire. Là. Alors, explorons notre territoire parce qu'il y a beaucoup à dire sur le Québec. Il y a beaucoup de formidables auteurs au Québec, puis on le découvre à travers toutes ces lectures. Puis actuellement, on ne peut pas voyager, comme tu le disais. Alors, voyageons. Même, je repense au territoire Fermont, avec le livre d'Ariane Gélina aussi, quelques battements d'ailes. Alors, tu sais, on est vraiment dans les lieux. Puis comme on enquête, on va vraiment dans tous les raccoins de ce lieu-là. C'est ça qui est intéressant. Alors, achetons québécois, achetons polar et profitons de tout ce qui se fait ici. Mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette table ronde. J'invite les gens à vous lire. Moi, j'ai eu un bonheur à découvrir vos livres, à vous lire. Parce que vous m'avez fait voyager, je m'en suis promenée à Lévis avec Catherine. Je suis restée à Montréal, mais pas loin de chez nous, avec Brébeuf et avec Maureen. Moi, je pensais que tu avais déménagé puis tu étais installé là, tellement c'est bien rendu. Alors. Puis que la Croche, c'est un endroit qui existe, c'est au nord de la Tuque, pour les gens qui ne savent pas. Là. Donc, vous pouvez même aller lire Zec la Croche sur place. La route est pavée un bon bout, fait que vous pouvez y aller avec votre voiture, vous n'avez pas besoin d'un 4x4. On est prévenus. Alors, c'était cette rencontre sur le polar au féminin. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce salon du livre virtuel. Bonne lecture à toutes et à tous.